Bonjour, moi c'est Lydia Gabriel, j'ai 24 ans, je suis lyonnaise et j'ai choisi le master communication institutionnelle. Bonjour à tous, moi c'est Colline Bonnet, j'ai 23 ans, je suis originaire de Vendée. Je suis venue ici pour mes études et du coup pour faire un master communication institutionnelle à l'ISCPA. Moi je me suis dirigée dans la communication institutionnelle parce que je me suis dit que ça ouvrait pas mal de portes et que cette communication-là, on pouvait l'adapter à tout secteur d'activité. Et c'est le cas, donc j'en suis très contente. Donc, comme Colline, j'ai choisi la communication institutionnelle parce que ça nous ouvre des portes dans des grands groupes et puis ça permet aussi de voir toute la communication au niveau 360, donc une vision assez large de la communication. Mon alternance se déroule cette année chez Saint-Gobain, donc c'est un groupe industriel au niveau international. Je suis chez Saint-Gobain Développement qui gère un petit peu la communication interne du groupe, donc basé à Lyon, et mes missions sont plus de la communication interne, donc la rédaction d'articles, de newsletters, la création d'affiches un petit peu, mais beaucoup de communication interne pour les collaborateurs. Et moi de mon côté, donc cette année je suis au groupe Apicil, donc c'est un groupe de protection sociale qui propose donc des contrats en santé prévoyance, en épargne et en retraite. Et donc je suis à la direction de la communication externe et donc moi, à contrario de Lydia, donc je gère les relations presse, donc communiqués de presse, les outils de veille presse, etc. Les médias, donc on fait des campagnes TV et digitales, donc c'est un suivi avec un planning, etc. Et également donc la création de contenu avec la suite Adobe sur les réseaux sociaux, sur le site WordPress, des newsletters et également le suivi d'un partenariat avec un skipper handisport pour le Vendée Globe. Moi, pour décrire les SCPA, je dirais rencontre, apprentissage et bien-être. Je dirais épanouissement, richesse de contenu et futuriste.